Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation du nouveau DLC qui va arriver le 17 avril 2019 sur Total Warhammer 2, le Prophète et le Warlock. Donc grosso modo le Prophète et le Sorcier, le Magicien, c'est comme vous le préférez. Donc ça va être un DLC de faction qui va rajouter des nouveautés pour les factions Skaven et les factions d'Hommes Lézards, pardon. Donc on va avoir deux nouveaux héros que je vais vous présenter, donc en vous présentant les héros, les unités, et je vous parlerai aussi un peu des mécaniques de ma campagne. Et ensuite, pourquoi pas, espérons faire un petit peu de suppositions pour l'avenir du jeu concernant le futur Free LC et pourquoi pas d'autres ajouts ultérieurs. Donc voilà, je vais vous passer un peu le son, je vais vous laisser la vidéo et je vais vous faire des arrêts sur image comme d'habitude. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas fait pour la Code Vampire, mais je me suis dit que là c'est intéressant. Donc voilà. Voilà, top. Alors s'il veut bien s'arrêter, bien sûr, excusez-moi. Alors donc là on voit des Skaven donc qui sont dans la jungle avec de l'équipement, donc ça détient des nouvelles unités. On voit aussi une Rattling, donc que vous voyez en mouvement, donc c'est de l'unité anti-infanterie très lourde. Donc ça va être un peu l'équivalent que l'unité Code Vampire version mitrailleuse. Ah bah il y a un coffre au combat. Hop, 2 secondes. Si on pouvait choper. Voilà, donc là je pense que c'est le seigneur légendaire des Skaven du clan Skyr. Je vous présente Ikit Lagriff, donc un technomage bien renommé dans le monde de Warhammer. Il a étudié de nombreuses formes de magie humaine, orque et elfique, si je me souviens bien. Il a beaucoup voyagé, même jusqu'au Katay, donc dans le monde asiatique de Warhammer, donc vers l'est si vous préférez. Donc c'est un vétéran, un Skaven vétéran bien connu. Hop. Donc là, le Skaven, là, son copain, il fout de rage. Donc là, il vient goguenard. Hop, berserk. Ça me rappelle un petit peu la scène dans Predator avec Arnold Schwarzenegger hein, avec la mitrailleuse. Donc là, il se pète un câble avec son flamme. Alors, top. Nouvelles unités. Donc, je vais vous les remontrer. 2 secondes. Alors. Donc là on voit des fusils Skaven avec des boucliers, donc je vous présente les Jezai. Donc ce sont des tireurs d'élite Almalpierre, donc avec la lunette que vous voyez, ils ont un bouclier pour se protéger des tirs et se repositionner. Je pense que ça va faire du bien aux Skaven, l'ajout d'une unité à arme à feu, parce que pour moi honnêtement jusqu'à présent les Skaven étaient l'armée, enfin le roster le plus faible du jeu. Donc je pense que ça rajoutait un peu de puissance et de peps à cette armée qui en manquait tant. Et voilà, donc ce sont des tireurs à longue portée, fusil à Malpierre si je me trompe pas. Donc ça se protège bien, ça avance en masse. Là on se croirait vraiment dans la guerre au Vietnam avec la dévastation causée. Donc le lance-flamme d'Ikit. Ah bah là, le carnage là c'est bien. Ok, donc là c'est la fin du carnage. Les Saurus se réveillent, donc les hommes lézards vont être déchaînés. Hop. Alors, donc vous voyez sur l'arrière, donc c'est un Stégadon si je me trompe pas. Donc avec un skink dessus, donc avec une tablette et un couteau. Ou un poignard si vous préférez. Il a une machine ancestrale sur le dos. Je vous présente Théenoin, le prophète de Sotek. Donc un skink qui a une particularité, c'est qu'il a, comme vous le voyez, et comme sur ses autres congénères, une crête rouge. Donc ce sont des skinks, on va dire, un petit peu particuliers, on va dire. Il a une tablette dans les mains, un poignard sacrificiel comme je vous avais dit. Et à mon avis, il va bien défendre la jungle. Donc lui, c'est un. Je vais vous présenter un petit peu sa biographie. Dès que j'aurai fini ça. Alors, c'est un skink qui vient de la cité Tang, qui est le plus grand prophète de Sotek. Il a réuni les survivants d'une cité temple qui s'appelle Chaka pour les rassembler parce qu'il y a eu une peste à cause des Skaven. Et en gros, lui, il a l'air d'avoir des bonus contre les Skaven, de ce que je vais comprendre, de ce que je comprends, il sacrifie beaucoup de Skaven à Sotek, la divinité des hommes lézards, des anciens si vous préférez. Donc voilà. Après je vous parlerai un peu des équipements de Théoïne et des autres héros. Donc on va retourner en vidéo. Ok, donc là ça va piquer. Ça va chier. Alors là, on a une nouvelle unité présente qui a l'air assez destructive. Je vous présente les Ratsphères, plus petits que la comment s'appelle,
que la roue infernale de Skaven, mais elle doit être beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est perforante, perce armure et elle est assez mobile. Et là, on zoome tout de suite sur une mêlée qui va y avoir entre des Skaven et des étranges de lézards. Donc, je vous présente les fameuses salamandres. Donc, les petites que vous voyez là, celles en orange, ce sont des salamandres normales. Donc, elles sont assez rapides. Elles lancent des boules de feu, donc attaque enflammée, logique. Et la grosse que vous voyez tout au fond, que je pointais là avec ma souris, c'est une salamandre ancestrale. Donc, de ce que j'ai compris, elle est encore plus puissante que ces salamandres normales, ce qui est logique. Mais quand elle fait des attaques enflammées, elle réduit les défenses au feu des unités qui sont touchées. Et ça, donc en combo, ça peut vraiment être très puissant, quoi. Donc imaginez sur des unités à la régénération, vous mettez une salamandre ancestrale sur une unité qui est comme ça, bah, ça réduit sa défense. Derrière les salamandres qui les achèvent, à coup de lance-flamme, voilà, ça peut faire bobo. Et bon appétit, bien sûr, mesdames, mais cette dame, ça me quitte qui se déchaîne. Donc là, on voit quelques skinks. Avec une crête rouge, donc si on va les avoir au combat, je pense. La machine ancestrale qui produit un éclair lumineux assez dévastateur. Là, c'est un Bastiladon, alors c'est lequel celui-là? Je vais regarder un petit peu, j'ai un doute à chaque fois. Alors, c'est où je l'avais vu? C'était sur Steam, je crois. Excusez-moi, donc alors Bastiladon, nouvelles unités. Donc c'est le Bastiladon avec l'Arche de Sotek. Donc c'est un Bastiladon monté par l'Arche de Sotek. Il peut invoquer un vortex de serpents venimeux autour de lui au combat. Ça va être pas mal. Donc ça peut faire bobo. Je sais pas si on voit le vortex. On va voir tout de suite. Donc là, il quitte la griffe qui a un rêve sadique. Donc il voit plein d'unités d'hommes lézards autour de lui. Donc je pense que là, c'est les fameuses... Comment ils appelaient ça? Les éptérodactyles, les étripodactyles. Attendez, je vais vous redire ça. Monteur des tripodactyles, donc c'est de la, ça doit être ça qu'on doit avoir un peu dans le tir avec d'autres ptéradons normaux. Donc anti-infanterie, chauché par des skins, perforation d'armure en mêlée, très bien. Hop, je vais tout vous remettre en plein écran pour profiter. Et là, on voit une roquette qui est tirée avec un skink rouge à arme lourde qu'on va voir maintenant. Et alors ça, c'est une des nouveautés de faction des Skaven qui vont tellement fumer à mon avis. Alors ça s'appelle la Doom Rocket, donc roquette apocalyptique si vous préférez. Moi je l'ai traduit comme ça. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, cette roquette pourrait être tirée en échange de ressources. Je crois qu'il faudra en produire dans la campagne avec les Skaven. Peut-être contre certaines ressources. Je ne sais pas si ce sera de la malpierre, peut-être une nouvelle ressource. Qui peut désintégrer un champ de bataille. Bon, ça peut désintégrer plusieurs unités. Je doute que ça ait l'effet escompté en vidéo. Je pense que c'est juste pour nous en mettre plein la vue. Dire, oh là là, les Skaven, ils ont une nouvelle arme surpuissante, apocalyptique, mamma mia. Donc je pense que c'est fait pour ça. Voilà, donc hop, fin du trailer. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des héros. Donc surtout de. Alors, je vais commencer par TNOin, donc avec son équipement. Donc. Alors c'est un prêtre de Skink, donc il y a Sotek, porteur de la parole du dieu serpent, ça veut tout dire. Donc je pense qu'il va avoir des bonus, comme je vous l'ai dit, contre des Skaven, des capacités uniques, compétences si vous préférez. Un petit peu comme Alitanar avait des bonus contre les elfes noirs, si je ne me trompe pas, avec Nagarit contre Nagaroth, pardon. Il y a aussi Aranessa Somat qui est la pirate de la côte vampire qui avait des bonus, je crois, contre les Norse. Donc ça va sembler logique, ça ne me choque pas. Alors concernant ces objets magiques, TNOin aurait deux objets, donc la langue du serpent, c'est la dague qui tient dans les mains, dague sacrificielle confectionnée par les meilleurs artisans de skin de Shaka et enchantée pour secréter un venin mortel, ok. Et apparemment il aurait aussi les plaques de Sotek, sur cette plaque de pierre sont inscrits les principaux passages de la prophétie de Sotek, peut-être des bonus d'ordre public, d'entretien pour certaines unités, qui sait, c'est qu'une supposition pour moi. Donc voilà, ça va être un sacré numéro à jouer, je pense. Donc franchement, je suis content de ce DLC à titre personnel. Je vous le dirai un peu après ce que j'en pense. Alors maintenant, Monsieur Y quitte la griffe. Donc comme je vous disais, c'est un sorcier, donc c'est un technomètre. Donc il connaît pas mal de magie, comme je vous l'ai dit, elfe, humain et peau verte. Il mène les technomages avec le clan Skyr ou Skrir, pardon. Donc voilà. Il a beaucoup de construction de forges à malpierre apparemment. Donc il va avoir des armes assez fumées, je pense. Et on va voir un peu après ce que ça donne. Donc alors concernant Ikit, il a la griffe mécanique, donc c'est la griffe et le ramène métal d'Ikit intègre un petit lance-feu qu'on a vu en vidéo. Donc ça va être très fort.
Il va taper fort ce Seigneur Skaven. Il a une armure en maltière qu'il a forgée lui-même, donc peut-être un objet spécial ou légendaire à récupérer en quête, je pense. Il a le talisman fétide, donc c'est un artefact qui, par les émanations de la malpire dont il est constitué, gêne grandement les capacités des créatures qui en augmentent. Peut-être des malus en attaque en mêlée, en défense, en armure, peut-être. Et la malfou, donc c'est la hallebarde qui tient dans les mains qu'on a vu faire du dégât. Elle est enveloppée de cuivre, incrustée de morceaux de malpierre et dotée d'une mallame crépitant d'éclairs d'énergie, donc dont la base est constituée de l'orbe des tempêtes, un artefact puissant qui peut déchaîner les vents de magie qu'elle attire sur ses victimes. Donc j'ai coupé Discord. Hop, pardon. Voilà, donc on a pas mal d'unités là, ça va taper fort, je pense, avec ce nouveau DLC. On va voir un peu les mécaniques qu'ils ont rajoutées, qu'ils ont prévues. Donc comme je vous le disais, on aura le clan la Doom Rocket, donc Rocket Apocalyptique qu'on avait vu, des nouveaux régiments de renom, d'accord. Alors le DLC sera publié le 10, mercredi 17 avril, parce que chez eux, en Angleterre, au Royaume-Uni, excusez-moi s'il y a des anglophones qui regardent, ou des pro-anglais, c'est un jour saint, donc c'est cool. Les deux seigneurs vont se battre pour le contrôle du Vortex. Ça me semblait logique, que les Skaven et les hommes lézards continuent à se battre. Donc ça va être aussi affecté pour Empire Mortel et l'œil du Vortex. Alors on va voir le contenu gratuit, on va en parler un petit peu. Donc apparemment, de ce que je viens de lire, il y a un seigneur gratuit. Donc pour moi c'est le quatrième, c'est un quatrième seigneur homme lézard, parce qu'on en a quatre pour les Skaven maintenant. 4 pour les rois des tombes, 4 pour les hauts elfes, 4 pour les elfes noirs, 4 pour la côte vampire, et actuellement on en aurait que 3 avec les hommes lézards. Donc la logique voudrait que ce soit un seigneur homme lézard. Alors on va regarder un petit peu les codex que j'ai. Donc là j'ai les codex Skaven, je pense en avoir besoin, mais finalement non. Le codex homme lézard, donc il est un peu en noir et blanc, je suis désolé. Donc mes suppositions du dernier seigneur. Donc ça, si on pouvait l'enlever. Ça va jouer entre. Alors Théanomine, je l'élimine. Donc pour moi, les 3. Les quatre candidats et potentiels, ce serait Teekoko, donc c'est un astromancien des constellations. Tiktako, donc lui c'est le maître des cieux, l'œil des cieux aussi. Donc Ox, machin truc, je pense pas. Oxoil. Ou Gorok, le Saurus blanc, le scarifié. Après, je sais pas si ils vont prendre le coup de mettre deux héros au Saurus. Enfin, deux seigneurs Saurus, j'ai un doute. J'aurais plutôt un deuxième seigneur Skink. Après, pourquoi pas mettre une petite mise à jour gratuite avec Gorok en héros légendaire, par exemple, en chef Saurus, quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Donc, pour moi, ça va jouer entre Teto-Eko, pardon, et Tic-Tac-Toe. Je pense que ce sera un des deux, le dernier seigneur. Donc, même si je donnerais une petite avance pour Tic-Tac-Toe pour qu'il y ait un peu de variété sur lui, sur les seigneurs Skink. Comme on a un prêtre, autant avoir un guerrier au lieu d'un astromancien. Voilà. Donc voilà. Alors, petite aussi info, j'ai remarqué dans le DLC, il n'y a pas de troglodon. Alors, faut me dire, Kaiser, qu'est-ce que c'est qu'un troglodon? Pour ceux qui savent pas, le troglodon, c'est ce petit monstre. Alors, ça ressemble à un carnosaure, mais plus petit, c'est très vorace. Et c'est la monture préférée des prêtres Skink. Je l'ai pas vu dans le DLC, donc. Peut-être qu'un jour ils vont continuer Warhammer. Ils vont sûrement continuer à faire des mises à jour gratuites pour Warhammer 2. Je pense qu'on pourrait peut-être voir les troglodons apparaître. C'est mon avis. Voilà. Donc on peut mettre une petite table d'espoir là-dessus. On sait jamais. Donc concernant le DLC, c'est fini. Les suppositions pour le Free LC de héros Saurus, Homme Lézard ou Skink, c'est comme vous préférez. C'est bon. Alors maintenant, il parlait d'autres choses que j'ai vues. On va avoir aussi une mise à jour gratuite qui s'appelle Vieux Monde, All Over. Donc ça va concerner la Bretonnie en priorité, un overhaul grosso modo. La Bretonnie va connaître des nouvelles technologies. Il va y avoir une nouvelle arme du Trident de Man pour Albéric de Bordelot. Un nouveau dilemme de confédération, peut-être des choix, des conséquences. Ils vont faire en sorte que tous les seigneurs bretonniens vont démarrer le jeu avec une monture. En campagne par défaut, ça c'est très bien. Ça c'est très bien parce que pour une faction basée pro cavalerie, je trouve que c'est logique que tous les seigneurs soient montés de base. Personnellement, vous me direz ce que vous en pensez. L'entretien est gratuit des paysans quand on ne dépasse pas le plafond de l'économie paysanne. Ça peut être pas mal, je pense, parce que les pécores, voilà. Bon, après, si vous dépassez, je trouve normal qu'on paye de l'entretien, des pénalités.
Les garnisons bretonnes vont être améliorées parce qu'on va se le dire, la Bretonnie, niveau garnison, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs bretonniens, ça pue un peu du cul. Ils ont beau avoir des balanciers et tout, c'est bien, mais contre des unités plus lourdes, c'est plus compliqué. Alors, augmentation de la durée des virages pour le chevalier verse. Est-ce que c'est le temps avant qu'il reparte? Je pense que c'est ça. C'est ce que je comprends, après vous me direz dans les commentaires. Et le chevalier vert illuminé, je vais être synop, si vous préférez, illimité. Il faut utiliser usage illimité quand on atteint le niveau 5 de la chevalerie. Mon Dieu. Oh, que ça va être fumé, ça. Donc, dès que vous l'avez niveau 5, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Bah, après, le niveau 5 de la chevalerie, je pense que c'est le niveau ultime, donc il n'y a pas plus haut. Ça ne me choque pas. À titre personnel. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire. Personnellement, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis très content de ce DLC qui va arriver. Ça va redonner du peps un peu aux Skaven qui, à mon avis, souffraient beaucoup trop avec leurs armées massives et tout. Ça va un peu équilibrer la chose. Ah oui, mince. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire concernant les unités de renom aux Skaven, c'est qu'apparemment, Aikid va avoir un atelier spécial pour libérer certaines unités au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y aura une série de quêtes à faire ou de prérequis à remplir pour avoir ces unités. Ça va me rappeler un peu la chasse aux pirates la Côte Vampire pardon, pour les unités de renom. Donc ça me fait penser un peu à ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. On va voir un peu le prix du DLC. Moi je vais me le prendre, je l'annonce clairement. Il a 8,50 €, il a moins 10% en ce moment jusqu'au 17 avril. Donc moi dès que je peux, je le prends tout de suite. Comme ça, j'aurai tout le roster Omnezer et Skaven. Et si vous me demandez si je compte faire une série dessus avec ce nouveau DLC, la réponse est non. J'estime avoir fait le tour de Warhammer avec trois campagnes, Homme Lézard, Roi des Tombes et Code Vampire avec Noctilus. Pour moi, Warhammer 2, c'est terminé. J'ai plus rien d'autre à faire. Peut-être que s'il y avait eu l'Arabie, j'aurais changé d'avis. Peut-être. Mais bon, je pense pas qu'il y aura de nouvelles factions. Je pense que là, on a les 16 seigneurs. Pour moi, c'est terminé, plié, quoi. Donc voilà, ceci est la fin de cette vidéo de présentation du DLC, le seigneur, le prophète et le sorcier ou le mage de guerre, comme vous préférez. Donc apparemment aussi, Ikki pourrait peut-être chevaucher une rate-sphère, ça pourrait être marrant. Et on voit les dégâts que ça fait, ça promet. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire sur ce DLC, sur la vidéo ou autre, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Enfin, dernier point, si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous pourrez faire un don dans l'espace sur la page Tipeee que j'ai mis dans la description. Voilà. Donc, je sortirai cette vidéo aujourd'hui. Elle sort le lendemain de l'annonce du DLC. Je vous dis salut à tous et à tous, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.